Et yo les potes, c'est Alcado. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Et aujourd'hui les potes, j'ai un petit problème à vous annoncer les amis. Alors en fait je viens juste de commencer la vidéo. Et en fait, je viens juste de commencer. Mais je dois vous montrer, regardez dans la chambre de master, il n'y a personne. Alors que je devais tourner une vidéo avec Julia et Gus en plus dans la chambre de mon frère. C'est pareil les amis, bon je sais pas pourquoi il y a des photos d'Awariz partout au dessus. Mais ça c'est pas tout à fait normal. D'ailleurs je sais même pas si Awariz est chez lui. Mais en tout cas cette histoire est très louche les potes. Donc si tu veux savoir ce qu'il se passe durant cette vidéo, et bah je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne YouTube et à rester jusqu'au bout de la vidéo. Parce que là les amis, comme vous le savez, enfin comme je pense que vous avez deviné, et bien j'ai fouillé partout les potes. J'ai fouillé partout, j'ai fait le tour de la maison. Je suis allé voir dans toutes les pièces de la maison, je suis même allé voir dans la rue, je suis allé voir partout les amis, j'ai même téléphoné sur leur portable et personne ne répond. Et comme d'habitude tu connais la tradition, je t'invite tout simplement à aller voir la boutique de vêtements qui se trouve dans la description. Tu as plein de vêtements disponibles, dont aussi des sweats, des t-shirts, etc, etc. Enfin bref, les sweats sont pas affichés ici, mais il y en a, il y a des t-shirts, des serviettes pour cet été, pour la plage, des tasses, puisque oui en effet là il commence déjà à faire chaud, ça peut être super cool. Et si tu achètes quelque chose, envoie-moi un message sur Discord, enfin dans les images Discord ou par mail, et je te fais une dédicace en vidéo bien sûr avec une photo de ce que tu as acheté. Et comme d'habitude n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, mais bon ça je te l'ai déjà dit au début de la vidéo, ça me ferait très plaisir. Et tout simplement aussi tu peux liker la vidéo. Donc ah bah attendez, le téléphone sonne, c'est quoi cette histoire? Ok bon attendez, on va répondre. Allô, Talca. Gus. Je suis avec Julia. Attends, je te parle doucement. Attends. Je suis avec Julia, on est enfermé dans le grenier d'Awariz. Je sais pas, quoi? Il est trop bizarre Awariz. Il a pris nos téléphones et il les a enfermés dans un coffre aussi. Et attends, comment tu fais pour téléphoner là? Là j'ai trouvé un téléphone. J'ai trouvé un téléphone caché dans un carton là, mais. Ok. Fais vite, parce que je crois qu'il va venir. Mais attends, mais qu'est-ce que viens vite, mais... viens vite. Non, je crois qu'il arrive, raccroche. Mais c'est quoi? C'est quoi ces bruits que j'entends? Oh, punaise, ok, ça raccroche. Ok. Mais c'est quoi ce délire les amis? Attendez, mais qu'est-ce. Attendez, Awariz il est bien chez lui, attendez, on va aller voir ça vite fait. C'est quoi ce délire? Attendez les amis. Là il y a Gus, attendez, vous, je sais pas si vous avez compris, mais en gros, Gus et Julia viennent de m'appeler. Attendez, mais Awariz il est chez lui ou quoi? C'est quoi cette histoire? Attendez, on va aller voir ça vite fait les potes. Ok ouais, Awariz est bien chez lui. Ok, alors attendez, restez bien jusqu'au bout de la vidéo les amis. Puisque je sais pas c'est quoi cette histoire. Je sais pas du tout c'est quoi cette histoire. On va aller voir ça les amis, on va aller voir ça. Alors attendez, on va regarder par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Qu'est-ce qu'on a chez Awariz? Alors bon, ça a pas changé chez Awariz. Ok, il y a sa grosse chicha juste là, les potes. Je sais pas ce qu'il a. Bon, je pense qu'il doit pas l'utiliser, mais. Enfin bon, on s'en fout un petit peu. Mais bon. Attendez, est-ce que Awariz. Attendez, j'ai cru voir Awariz. Hein. Dites-moi si je suis pas fou, les potes. Mais attendez, est-ce que. Mais attendez, Julia et Gus, ils sont là, vous allez me dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, je sais pas si c'est une blague ou quoi. Parce que si. S'ils me font une blague. Bon, vous savez quoi? On va sonner chez Awariz, les amis. On va bien voir ce qu'il se passe. Et puis. On va voir du coup si comment va Awariz, etc, etc. Puisque bah ça fait quelques jours que je ne l'ai pas vu en effet. Donc on va sonner chez lui. Tac, tac, tac. J'arrive. Alors que fait Awariz? Ok, il arrive. Bon, alors attendez. Ok, Awariz est là les potes. Oh, oui. Salut Awariz. Ah, oh, oh punaise, tu m'as fait peur. Ça va Awariz? Oui, pourquoi cette question? Non, pourquoi t'as des cornes sur la tête? C'est rien, c'est un déguisement, t'inquiète. C'est un déguisement, pourquoi t'as des griffes? Justement, je suis en train d'essayer un déguisement, tu sais, pour le carnaval. Ok, ok. Mais attends, mais. Pourquoi ta porte du sous-sol, elle est ouverte là-bas, Awariz? Rien, c'est. Tu sais, des fois, ils nous disent des missions, etc., tu sais, pour les monstres. Ok, mais normalement, il n'y a pas de mission aujourd'hui. Non, justement, c'est pour ça que je suis allé voir, mais il m'a dit qu'il n'y en avait pas aujourd'hui, du coup, bah, je suis revenu ici. Juste, j'avais une petite question. T'aurais pas vu Julia et Gus par hasard? Bah, il y a déjà 2-3 jours, ouais, je les ai vus, bah, ils étaient chez toi, quoi. Mais sinon, et non, tu les as pas vus aujourd'hui? Non, pas du tout. Ok, parce que je les cherche partout et en fait, bah justement, je venais te demander si. Va voir dans la ville des monstres, peut-être qu'ils sont là-bas, je pense. La ville des monstres? Ouais, parce qu'ils étaient curieux de savoir à quoi ça ressemblait les monstres et tout, du coup, ils voulaient aller voir. Ok, bon, bah vas-y, bonne journée, Awariz. Hein. Vas-y, ciao, t'as le cadeau. Ciao, ok, les amis. Ok, les potes, il y a Awariz qui vient de monter à l'étage, les potes. Je sais pas ce que Awariz me raconte, les amis, mais cette histoire, ça m'a l'air d'être louche. Je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo, puisque je pense que je vais m'introduire dans la maison d'Awariz pour savoir. Donc, je sais plus ce que m'a dit Gus, je crois qu'il m'a dit dans le grenier. Je sais pas si c'est vrai, mais déjà,
Ok, attendez, Awaz, il est... Ok, il est retourné en bas. Ok, on va rentrer par son garage, les amis, puisque vous êtes au courant, il n'y a pas de porte dans son garage. Bon, on va éviter de se faire repérer. On va essayer d'aller voir si dans son grenier, il y a quelque chose. Ok, les potes, je suis dans sa cuisine, du coup. Ok, ok, tac, tac, tac. Ok, on s'infiltre. Ok, je suis dans sa salle à manger. Bon, on va grimper vite fait. Je crois qu'il est dans son salon, donc on va éviter de se faire repérer. Ok. Manger un petit truc, un petit cookies. Ok, il est parti dans la cuisine. Bon, il est dans sa cuisine, les amis. Donc, son grenier, pour ceux qui ne savent pas, il est juste ici. Bah, vous savez quoi? On va voir s'il n'y a rien. Ok, bon, les amis, on va bien voir. J'espère que Awaz ne me ment pas. Mais s'il me ment, ça veut dire qu'il lui est probablement arrivé quelque chose. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui s'est passé? Mec, vas-y, explique. Ouais. En gros, je sais pas, Boris, il est devenu bizarre. Ouais. Il y a eu des cordes qui lui ont poussé sur la tête. C'est quoi cette histoire? Il a été empoisonné ou quoi? C'est quoi ce délire? J'en sais rien, je crois bien, mais. Bah, attendez, mais en tout cas, il nous a enfermés ici. Ok, okay. Bon, je vais essayer de trouver un moyen de vous libérer. Okay. Je vais descendre, je vais essayer de faire une pioche vite fait pour vous libérer ou quoi. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé à Awaz. Ok, c'est bizarre. Bon, les amis, on va redescendre du coup. Ok, les potes, on va redescendre. Qu'est-ce que j'entends comme bruit au-dessus là? Ok, on va se cacher, les potes. Ok, je me suis caché. Ok, les potes. Ok, les potes, je sais pas ce qui vient de se passer. Ok, je suis caché. Ok, les amis. Ok, Awaz, il a entendu que je suis allé dans le grenier. Ok. Paranoïaque. Ok, les potes. Ok. J'espère qu'il va rien se passer, les amis. Ok, s'il me trouve, je pense que je suis mal. Parce que là, il a l'air d'être dangereux, Awaz, les amis. Je sais pas ce qui s'est passé, les potes, mais en tout cas, n'hésitez pas de beau à la télé. À liker cette vidéo. Ok, les potes. Bon, il va falloir que je trouve un moyen. Ok, les potes, on va redescendre. On va redescendre rapidement. Ok, sans se faire cramer. Hop là, hop là. Ok, où est Awaz, les potes? Ok, il est probablement devant sa télé. J'évite de faire du bruit. Ok, est-ce qu'il est là? Alors, je vais manger un petit truc là. Oh punaise, vite, on part. Ok, les potes, on part, tac. Ok, bon, les amis, du coup, il va falloir que j'aille crafter une pioche rapidement. On va aller trouver un arbre, on va essayer de s'éloigner, les amis. Et probablement une épée aussi. Les amis, je sais pas ce qu'a Awaz. Ok, je sais pas s'il faut pas que je le tue ou quoi, pour que justement, je sais pas, peut-être que je le tue pour que justement ses pouvoirs se disparaissent et qu'après il réapparaisse en normal, je sais pas, si ça se trouve c'est Slenderman qui l'a empoisonné, les amis, je sais pas c'est quoi ce délire, mais c'est fort probable, je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pas une idée par hasard. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire une petite table de craft avec, comme d'habitude, une petite pioche et une petite épée, les amis. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est ce qu'il faut faire, on va même se faire une pioche carrément. Attendez, là on a de la cobble. Non, c'est des dalles. Ok, on va essayer de prendre de la pierre. On va prendre de la pierre, les amis. Et on va se faire même une petite épée en pierre. Parce que ce sera toujours plus efficace, comment dirais-je, qu'une en bois, les potes. Donc il nous faut 5, donc 3 pour la pioche et 2 pour comment dirais-je, pour l'épée. Ok, bon, on va remonter, les amis, c'est parti. Ok, il faut que je remonte au bon endroit, hop là, tac, puisque oui, en effet, ça peut être assez embêtant. Ok, les amis, du coup, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire une petite pioche, une petite épée. Tac, ok, là on est parti. Bon, on va éviter de se faire repérer par Awaz. Il y a moyen qu'il nous crame et que même ça parte en steak s'il me voit dans la maison. Bah justement, vous savez quoi, justement, pour voir si Awaz est pas normal, et eh bien vous savez quoi, je vais ressonner chez lui et lui demander si je peux fouiller sa maison. Puisque à ce qui paraît, Gus et Julia sont dedans. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, ça risque de partir un peu en cacahuète, les amis. Donc on va aller voir. Ok, Awaz, je crois qu'il est toujours en bas. On va ressonner. T'as carrément, je sais quoi, je vois la porte. Awaz, qu'est-ce que tu fais là, t'as... Pourquoi t'es rentré? Je me permets de rentrer. T'aurais pas vu, t'es sûr que t'as pas vu Julia et Gus? Non, je suis sûr, je te jure, je les ai pas vu. On peut faire le tour de ta maison maintenant? Non, je suis occupé là, j'entends rien. Ok, bon, alors attends, bon, si tu veux pas... Cadeau, je te dis quoi? Non, Awaz, attends, on va vite faire le tour. Qu'est-ce que tu fais là? Eh, attends, je t'ai dit, frérot, 2 secondes, on va vite fouiller. Bah, fais le tour du bas, mais okay. Tu vas pas en haut, il y a les chambres de mes enfants. Je sais de quoi pas il y a les chambres de tes enfants? Bah, viens voir. Pourquoi tu veux voir les chambres de mes enfants? T'as le cadeau, t'es bizarre. Non, je veux pas voir la chambre de tes enfants. Il y a quoi dans ton grenier? Tiens, on va aller voir. Tes enfants, ils m'intéressent, t'as le cadeau, t'es bizarre. Non, ferme, on va pas dans le grenier. Pourquoi on va pas voir? Pourquoi? Mais pourquoi tu vas aller voir? Bah, pourquoi toi tu veux pas que j'aille voir? Parce que j'ai des dossiers de famille dedans et tout, je veux pas que tu montes. On va aller voir ça. Non, tu descends. Pourquoi tu veux pas que j'aille voir? T'es bizarre.
Eh, t'es bizarre. Ferme-la et descends, allez, parti. Wesh, ok, calme-toi. Allez, pars d'ici, t'as le cadeau, sinon je vais m'énerver. Ok, les amis, du coup, là, je pense que je vais commencer à taper à Waz avec l'épée. Les amis, j'espère que je vais pouvoir là. Parce que là, ok, les amis, c'est parti. On va essayer de rentrer. Ok, où est-ce qu'il est? On va essayer de le taper, les potes. Où est-ce qu'il est? Ok, t'es. Ok, Waz, toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Ok, pourquoi t'es rentré? On va aller voir dans ton grenier directement. Allez, c'est parti. Non, tu sors d'ici. Ok, bon, les amis, du coup, t'es sûr, tu veux pas qu'on aille voir? On va aller voir ça. Non, c'est bon. On va aller voir ça tout de suite. C'est quoi ça? Allez, monte. Ok, bon. Ah, c'est bizarre. Ok, bon, les amis, je crois qu'Awaz a dû prendre une arme. Ok, bon, on va vite fait libérer Julien et Gus. Ok, je crois qu'Awaz il a allé prendre une arme. Il a allé prendre une arme. Il a cramé que je vous. Enfin, il a cramé le truc. Ok, vous allez devoir vous battre avec ça. J'ai rien d'autre pour vous. Il y en a un, il prend une pioche en pierre, une pioche en bois. Ok, bon, on va redescendre. On va devoir se battre contre lui. Je pense qu'on va devoir même le tuer. Ça va le tuer. Je pense que, en général, quand ils prennent la possession de méchants comme ça, en général, il faut les tuer. Ils respawnent en gentil. Bon, attendez, où est-ce qu'il est? Ok, j'espère qu'il va pas sortir une arme à feu. Ok, il tire. Il a une. Ok, il a un arc. Il est en bas avec un arc. Ok, va falloir. Je vous attends. Il va falloir que quelqu'un. Va falloir que quelqu'un saute. Ok, il est là. Attention. Ok, tapez-le. Ok, il est là. Oh putain. Ok, j'ai plus de cœur. Je vous attends. Oh, il m'a mis cher. Il m'a mis trop cher. Ok, faut que Julia ait laissé. Ok, vite, go. Il est où? Ok, il est là. Il met trop cher les amis. Oh punaise, ok, il met ultra cher les amis. Ok, Julia, Gus, attaquez-le. Faut qu'on se le prenne. Il a une épée en diable. Oh punaise. Ok, les amis, faut tuer vite. Ok, c'est bon. Ok, les amis, on a tué du coup le Awariz méchant, les potes. Ok, donc Awariz est vraiment devenu un tueur sur Minecraft, les amis. Je sais pas comment il a fait ça. Tiens, prends cette épée là. Gus, prend l'arc si jamais il respawn. Okay. Je pense pas qu'il respawn en normal, mais bon, on sait jamais. Enfin, qu'il respawn en méchant, pardon. Mais bon, ok, bon, les potes, je sais pas où du coup. Bon, peut-être que Awariz va pas respawn durant cette vidéo, les amis. On verra bien. Ou alors, bah, vous savez quoi? Vous allez voir sa chaîne. Si Awariz a sorti une vidéo aujourd'hui, ça veut dire qu'il va bien. S'il a pas sorti de vidéo aujourd'hui, ça veut dire... Oh punaise, ok, attendez, faut que j'enlève le son. Oh punaise, ok, on va baisser le son, les amis. Oh punaise, comment ça fait trop peur, les potes. Ok, il a respawn avec une arme auto. Je sais pas. Ok, bon, vous savez quoi, l'objectif de la vidéo, c'était juste qu'on se barre. Bon, c'était juste que je vous libère. C'était pas prévu d'avoir ça. Oh punaise, mais les gars, dites-moi en commentaire si ça vous a fait peur aussi. Vrai de vrai, hein. En vrai de vrai, j'ai vraiment su sursauter. Il est là. Ok, Julia Gus. Je pense qu'on va se barrer même de la maison pour l'instant, pour aujourd'hui, je pense. Hein. Parce que là, oui, carrément, la fenêtre, il a pété une fenêtre là-bas. Ok, est-ce que vous êtes prêts? On va courir. Ok, on va courir. Oh, il a une grosse mitraillette là avec ses cornes là. Oh punaise, ok, les amis, j'ai vesti des balles. Vite, barrez-vous. Oh punaise, ok, les amis, on se barre. Ok, truc de fou cette vidéo, les amis, truc de fou. Je m'attendais pas à ça. Oh, ok, je m'attendais vraiment pas à ça, les amis. On va se barrer, on va aller se cacher quelque part. Ok, personne, il nous poursuit pas. Eh, il est où, Gus? Là, je suis dans la rue. Ok, tu veux pas te dépêcher un petit peu? Je sais. Ouais, dépêche-toi. Bon, là, les amis, il s'est passé un truc de fou durant cette vidéo. J'ai eu peur. Je vous jure que j'ai eu peur. Attends, on va enlever vite fait la neige ici. On va aller se cacher vite fait, ok? On va vite fait aller se cacher pour faire l'outro de la vidéo. On va aller là-bas, ok? Bon, du coup, les potes, vous savez quoi? On va tout ça pour cette vidéo, les amis. Donc, à l'heure où je vous parle, où cette vidéo sort, je ne suis pas chez moi, je suis chez DiaboloFit35, les amis. Donc, j'aurai tourné des vidéos d'avance. Voilà, on va faire quelques vidéos avec Diabolo chez lui. Enfin, bref, on va passer. Une petite semaine tranquille et tout, donc ça va être plutôt cool, les amis. Du coup, voilà, pas de vidéo cette semaine, les amis. En tout cas, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, bien n'hésite pas, comme d'habitude, tu es au courant, liker cette vidéo, t'abonner. Quelle vidéo tu veux voir la prochaine fois, si la semaine prochaine, quelle vidéo tu veux voir, comme ça tu me dis et je fais les vidéos que tu veux, ok? Ça serait super cool. Et du coup, les amis, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, aller voir la boutique de vêtements et ma nouvelle chaîne YouTube de cartes Pokémon qui se trouve en description. C'était Talcado Gus et Julia. Ciao, ciao les potes.